On va faire une nouvelle partie. Parce que j'avais lancé une partie déjà pour tester justement si je pouvais filmer Vous tout m'avez ça. déjà interrogé au sujet de cette Et mémoire. je ne pouvais Eh bien, pas. j'ai menti. Du coup, Je on va vous ai se dit qu'elle était taire et perdue. on va écouter le jeu. Je craignais que l'on en tire une mauvaise leçon. Ah, ça m'est très bien. Mais cet homme a eu de Et bah, je nombreux joue en ennemis. ultra actuellement. Et il a beaucoup à nous apprendre. Certes, quand il est venu nous trouver, il n'était rien de plus qu'un banal voleur. Il s'efforçait de survivre dans les rues de Bagdad, rêvant d'un avenir meilleur. Pas seulement pour lui, Est-ce que le mais son du jeu est aussi bon? pour tous Est-ce les que vous miséreux tu qu'il entends bien côtoyait. ou c'est trop fort? Ou pas assez peut-être? Car même s'il vivait durant un âge d'or, au cœur et au sommet du califat abbasside, il suffisait de gratter un peu pour qu'apparaisse la pourriture. L'ordre des anciens s'ingéniait à s'élever et à répandre ses méthodes cruelles à tout le pays. Ceux qu'on ne voit pas, comme on nous appelait alors, s'y opposaient, frappant l'ennemi depuis les ombres. Une lutte éternelle. Il y a des siècles, il était au cœur de cette lutte. Bassim ibn Ishaq. Il a honoré le credo, il l'a défié, comme nous devons le faire. Tous, nous courons le risque de confondre ténèbres où nous marchons et lumière que nous servons. Nous sommes susceptibles d'être mis à l'épreuve comme il le fut. Et je crains que ce moment approche. C'était le djinn encore. Et qu'est-ce qu'il nous voulait, notre ami Foirefoi? Me décoller la chair des os. Me dévorer les entrailles. Il ne dit presque rien, mais il laisse sa marque. Je le sens encore. Courir sous ma peau. Pas très original. Tu devrais le lui dire, d'ailleurs. Oublie le djinn pour l'instant. Le jour s'est levé et nous avons du travail. Derwish a laissé un autre contrat. Et pour qui? Encore eux. On gagnerait plus en vendant de l'eau à un dromadaire. Nihal, allons. Qu'est devenu ton sens du devoir? Le devoir ne nourrit pas son homme. Non, en effet. Mais il enrichit l'âme. Bon, je t'attends dehors. Pieds du sable, Bassim. L'heure est aux ombres longues aujourd'hui. Ne faisons pas attendre Derwish. Je ne supporte plus ses remarques. Ses contrats. Derwish t'en a déjà confié beaucoup, tu ne trouves pas? Il sait qu'il peut compter sur moi. Tu as gagné sa confiance, c'est vrai. Mais tu penses vraiment avoir gagné la leur? Celle de ces gens étranges? Depuis tout ce le temps, stream est plutôt hein. fluide. Qu'il le montre ça, c'est alors. Cool. Deux PC maintenant, c'est. Tu prends tous les risques, Bassim. La qualité, il ne t'offre presque rien en retour. Son délibérateur, Mira. Est-ce que le son il est bon? Je pense. Hein. Je connais les histoires qu'on raconte sur eux, merci. Mais le prix de la liberté devrait pouvoir nous nourrir. Ouh.
Ok. Elle va plus vite que moi. Ça ne va pas. Revenez ici. Oula. Le son est bon, super, merci. Merde. Attends, on remonte. Perfect. Elle est partie à 4 km déjà. Ok. Ce jeu, il va me faire kiffer. Ça rend hommage aux anciens assassins. Et ça, c'est plutôt cool. Cinématique. À propos de ce contrat, je ne veux pas que tu prennes mal mes paroles. Je pense avant tout à toi, Yas Adiki. Il n'y a aucun mal à s'opposer à nos oppresseurs comme le font ceux qu'on ne voit pas. Tu te prends pour le héros de demain, le nouveau Gilgamesh? Non. Je ne suis que le fils d'un fonctionnaire qui a consacré sa vie au bien de la population. Et n'a récolté que le mépris et l'oubli. Mais je suis flatté que tu penses que je puisse atteindre de tels sommets. Peut-être vais-je les viser? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est ce que j'ai compris. Quelle foule. Il doit se passer quelque chose d'important. Le calife a été appelé au palais d'hiver. C'est sans doute son riche cortège qui attire tout ce monde. Cool. Peut-être que ces gens sont d'humeur généreuse. Petit move stylé. Et parce que. J'avais déjà perdu. Si ce contrat doit nous affamer, le califat pourra nous nourrir. Très bien. Ce marchand-là, il a laissé sa bourse sur la table. Un coup facile pour commencer. On va le voler? Bon bah on va le voler. Bon, mieux vaut ne pas traîner ici. Perfect. Fuyons. Tel des lâches. Je vais choisir mon style. Comme d'habitude, œil d'aigle et main agile. Un duo redoutable. Là, celui qui s'agit. Ça, c'est un bruit flippant. Il doit transporter des objets de valeur. Oh. Dérobé, utilisez la vision d'aigle pour repérer les bourses que vous pouvez voler en quête d'objets de valeur. Appuyez sur Y pour dérober. Appuyez à nouveau sur Y au bon moment pour détrousser la victime sans vous faire prendre. Technique de voleur. Oh. C'est un gros carré, ça. Ok. Discret comme la brise. On est un mauvais assassin, nous. On rend pas la justice, nous. On fait la justice. Près de cet étal. Elle a quelques pièces. Quoi? Quelques pièces? Qui ça? Ah. Ok. Tout va bien. Bravo! Tu es vraiment le roi des voleurs d'Anbar. Serais-tu jalouse de moi? À peine, oh grand voleur des rues. Tu es insupportable. Bien, Delwish nous attend. Ok, il est où? 133 mètres. Ok, let's go. Technique d'assassin, on reste sur les toits. Attends, on va monter encore plus haut. Ok. Nice. Ouh, un petit chat. Ah. Ah. Le mauvais endroit. Caresser les chats. C'est pas ouf à cet endroit. Ok. Je prends note. Est-ce qu'on peut... Oh oui. Oh oui. Attends, hop. Où est-ce qu'on va? En bas? Ok, descendons. Noise. Alors... Oh, c'est possible. Ouais, c'est moi.
Je me demande quelles histoires on va encore entendre aujourd'hui. Des fables, à coup sûr. Belle prise aujourd'hui, Basim. Ravi de te voir. Comment elle est arrivée là? Toi, c'est la même personne. Bah oui. Comment elle est arrivée là? La téléportation, c'est mal, hein. Technique du diable, ça encore. Vaille. Voilà enfin notre paresseux. Tu m'as fait attendre. Il faut trouver de quoi se nourrir, après tout. Attends. C'est pour manger, d'accord? Et n'allez pas montrer ça au marché. Croyez-moi. Allez chez Zayda. Elle met toujours beaucoup de beurre. Ça, c'est vrai. Tu as l'air fatigué. Tout va bien? J'ai peut-être besoin d'une petite aventure. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un registre d'expédition au port. En soi, il ne vaut rien, mais les informations qu'il renferme leur sont très précieuses. Un jeu d'enfant, tout ça. Ils n'ont rien de plus difficile. Je suis capable de bien mieux. Muselle un peu ton orgueil. Les gardes du calife sont présents en nombre. Tu ferais bien de t'en souvenir. Ton inquiétude a grandi depuis cette époque où nous vivions à Bagdad. Mon inquiétude est la même. Je deviens simplement trop vieux pour la cacher. Rapporte-moi ce registre et tâche de faire vite. Nous n'avons pas parlé de mon salaire. En effet, pas avant que tu aies réussi. Tu sais comme ils sont. Grande surprise. Ce n'est qu'un messager, après tout. Et toi, tu n'es qu'un garçon de course. Nul besoin de passer par lui pour une mission pareille. Je les ai vus. Avec tous très les bien. Soldats qui défilaient dans le palais d'hiver. Alors. Ça fait des lances et des épées? Bien sûr que oui. Des soldats, quoi. Peut-être se trouver derrière. Bien voler une épée. Ou un casque. Ok. Où est-ce qu'on va? Continuons. Alors, let's go. Débrouille-toi tout seul, Basim. Mais t'arrêtes d'être violente. C'est un truc de ouf. C'est pas un contrat, ça. C'est un service. Mais... Et moi, je ne travaille pas pour rien. Arrête de parler quand je pars. C'est bon. Let's go. Attends. Alors, oula, zone interdite. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu au total? 16 caisses, un coffre, une demi-douzaine de sacoches. Il ne restait que 3 caisses la dernière fois que j'ai consulté le registre. Laissons aux transporteurs jusqu'à demain soir. S'ils ne se sont pas encore présentés, on considérera qu'ils ont oublié leurs marchandises. On les ouvre, on garde ce qui nous plaît le plus, et on jette le reste. Qu'est-ce que c'est? Cheux. Alors, ok, faut s'accroupir. Ça fasse du tout, je peux rien faire. Appuyez sur RB pour assommer l'ennemi avant qu'il ne vous détecte et qu'il alerte d'autres ennemis à proximité. Qui? Ok. Si on me voit, je vais devoir filer. Heureusement que je suis plus rapide que ces gardes. Oh, il y a un bug là-bas tout seul. J'allais me le faire. Oh, nice. Hop. On dégage. Caché dans l'herbe. Où est-ce qu'ils sont? Ils étaient 3. Il n'en reste plus qu'un. Il y a un là-bas. Les autres, je sais pas où ils sont. Il y en a 2 ici. On va se le faire. Oh, je suis un ouf. Qu'est-ce que c'était?
Hop là. Je suis ta justice. Coup de poing, frérot. Nous, on n'a plus le temps. Ok. On va aller se faire lui, là. Oh, j'ai cru que... Ce cul... Non, reste pas là, frérot. Viens. Hop là. Hop là. Caché. Ok. On va regrimper. On va aller là-haut. Il faut aller là-haut. Arrête. Verrouillé. Un léger retard. Bien. Qui c'est qu'il faut trouver encore? Lui, je vais aller me faire déjà. Arrête tes bêtises. Ok. Ok, il est là, je crois. Au moins, il n'y a pas trop de mouches. Ça, tu l'as dit, il n'y avait pas trop de mouches, frérot. Ah oui, ça, c'est clair. Où est-ce qu'il est? Hop là. Ok. Et les cachettes à l'ancienne. Genre ça, cette cachette là. Attends, elle était dans lequel? Je sais plus. Je me demande. Non, elle était pas dans celui-là. Brotherhood, sûrement. Attends, mais il est où lui? Wesh, ça va pas ou quoi? Non mais frérot, je les avais oubliés ceux-là. Tu m'as mis un coup de pression là. Comment j'y vais? Attends, il y a un mec là. Oh là. Ok. Je vais descendre par ici. Pour remonter par ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pas de... Demande si il va me voir. Ok, on va passer de l'autre côté, il y a de l'herbe. Je préfère quand il y a de l'herbe. Heureuse OPS Gamer. Ninja. Ok. Il est dodo? Ouais, il est dodo. Oh putain. Oh le quoi, le mec, je le fais trop chier quoi. Ok, nice. Oh, il y a des loot. Oh, il y a un coffre. Plein de dirhams. Et de l'argent. On aime l'argent. Ok. Oh, je suis mort. Ok, c'est bon. Oh, un intrus. Oh frérot. Ok. Je me suis fait détecter. Combat de ouf là. Coup de patate. Ok, je suis mort. Arrête tes conneries. Oh, trop facile. T'es un mec, ça va pas ou quoi? Très bien. Et y'a personne qui a été alerté au moins. Il a gueulé mais... Je
pense qu'ils sont loin. Ça devrait le faire. C'est quoi ça? Ok. Santé complète. Parfait. On va enlever tout ça. Là aussi. Ouh, titanium. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? C'était sur lui la clé. On va attendre de tourner à la porte là-bas. Ok. Oh, ça c'est un saut magnifique. Là. Là. C'est sûrement ce que je recherche. Attends, il y a plein de loot avant. Et un coffre. Et un gros coffre. Oh oui. Il y a que de l'argent. Bon, moi je prends hein. L'argent. Je me demande quel secret enferme ce registre. J'arriverais peut-être à tirer de ce vieux grognon de Derwish quelques informations sur ce contrat. Ça parle mal. Frérot, calmez-vous. Bon, on retourne. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait là? Oh là là, hop là. Ok. Fuis, cours. Cours, Forest. Oh, il y a un truc ici. Ah, c'est pour s'asseoir. Oh, attends, c'est dans lequel assassin ça? Je ne sais plus. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué à un Assassin's Creed. Toujours entier, à ce que je vois. C'était beaucoup trop facile. Oh, ce doux parfum de vanité et d'orgueil qui suinte de ta peau. Ah ouais. Ça parle bizarre un peu. Mais vas-y. C'est quoi ça? Ah, manger. Non, est-ce que j'ai la santé pleine? Avoir des yeux en ville nous serait utile. Je vais voir ce que je peux faire. Un maître assassin. Elle a l'air importante. Tu devrais demander plus d'argent. Chut. Bah, Basim, tu tombes à pic. L'as-tu obtenu? Oui, et sans trop d'efforts. Comme un papillon dans son nid. Donne-le-moi. Tu es donc l'une d'entre eux? Voilà. Apparemment, cela a été livré ce matin. C'est bien le coffre que vous cherchez? J'en suis certaine. Payez le garçon. Pour voler quelque chose, je suis là. Derwish peut le confirmer. Il m'a confié tous vos contrats. Tu as joué ton rôle dans ce cas. Je peux faire bien plus. Cette tâche a coûté la vie à deux de mes meilleurs hommes. Je doute qu'un voleur des rues puisse faire mieux. Alors engage-moi! Tu as deux postes vacants. Je mérite la moitié pour cette insulte. Merci, Derwish. Écoute, Basim, si tu veux continuer à travailler pour moi, reste à ta place et tiens ta langue. Pourquoi t'entêtes-tu à te comporter ainsi? Comme quoi? Comme un mendiant, désireux à tout prix de se faire remarquer. À tout prix? Je sais ce que je fais, Nihal. J'ai du talent. Je serais vraiment un atout pour cette femme. Mais elle ne veut pas de toi, cette femme. Tu es un voleur des rues aux pieds sales. Pourquoi t'entêter? Pourquoi vouloir suivre cette voie? Parce que rester un voleur des rues n'est pas la plus grande de mes ambitions. Je vaux plus que ça. Je ne suis pas qu'une paire de mains qui vole des bourses. Et ça, ils n'arrivent pas encore à le voir. C'est raté, Jassim. Il voulait péter ma paye. C'est quoi, ça? C'est ma dernière création. Elle m'aide à me débarrasser des marchands qui me voient. Fouiller dans leurs affaires et tout ça. Quelle chance alors d'y avoir échappé. Tu sens fort. Où as-tu traîné? On a pêché sur le port toute la matinée. Mais on n'a rien attrapé. Le port? Est-ce que tu as vu ou entendu parler d'un coffre, par hasard? Ah oui! Un coffre noir! Vraiment très beau! Des gardes l'ont pris pour la porter au palais.
Shukran lakaya, Jasin. Que comptes-tu faire? Ils veulent ce coffre? Je vais le leur apporter. Ils verront de quoi je suis capable. Tu as la tête aussi dure qu'une pierre. Alors nous allons le faire ensemble. Si tu te fais prendre au palais d'hiver, on te tuera sur le champ. Il nous faut un moyen d'entrer. Et je crois avoir une petite idée. Enfin, si tu acceptes de me laisser diriger pour une fois. Alors, on va le voir ce palais d'hiver? Palais d'hiver. Qu'est-ce qu'il y a? Hanbar. Oh, c'est joli. Il y a rien. Oh, si, il y a une photo. C'est quoi cette photo là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Y a pas des trucs à voler encore? Vu que je suis un voleur hors pair. C'est quoi ça là-bas? Un coffre? Allons voir ce coffre. Et commençons la mission. Oui. Nice. 26 dirhams. Je viens d'ici. C'est vrai? Merde. Ça m'embête pour toi, très honnêtement. De toute façon, j'ai fait énormément de bruit. Je pense que je vais mettre les rediffs sur YouTube en même temps. Du coup, au pire du pire, il y aura YouTube. Mais ouais, ça m'embête pour toi, honnêtement. Ne te sens pas obligé, Nihal. Je sais ce que tu penses de tout cela. Que c'est de la pure folie, oui. J'y vois plus rien. Je n'arriverai pas à t'en empêcher. Donc, je vais venir avec toi et te harceler jusqu'à ce que tu abandonnes l'idée folle de voler un coffre. Un coffre au palais. Au palais d'hiver du calife. T'entendre le dire ainsi me donne plus envie encore. Bon, on y va ou pas? Bah allons-y, hein. Je te suis. C'est une mauvaise idée, Basim. D'ailleurs, si tu réussissais et s'ils t'accueillaient parmi eux, qu'arriverait-il? Tu nous oublierais? Bien sûr que non. Nihal, leurs intérêts sont les mêmes que les nôtres. Tes intérêts, mes intérêts, ceux délaissés pour compte qui doivent se contenter de miettes et d'eau croupie. On pourrait la quitter, cette vie, grâce à moi. Je pourrais être celui qui permettra à Jasib d'utiliser ses talents pour devenir un artisan. Celui qui veillera à ce que les plus honnêtes ne soient pas traités injustement, comme mon père l'a été. Et à ce qu'aucun enfant n'ait plus jamais à s'inquiéter du lendemain. J'entends tes paroles, Basim. Mais tu te fais le portrait d'un monde qui ne peut exister. C'est là où nos avis diffèrent. Très bien. Non. Il a failli tomber le bug là. Je suis choqué. Il a failli tomber le mec là. Aberrant. Nous y sommes. C'est le palais d'hiver. Viens, par ici. À toi l'honneur. Et à toi. Mauvaise idée. Le mec, il fait des pas de géant. Jamais. Allez, je monte des escaliers comme ça. Attendons la nuit. Alors, des bouts de mur comme ça, frérot. Hallucinant, quoi. Ok. Cela n'éveille-t-il pas en toi d'agréables souvenirs? Agréable, oui. Il n'y a pas si longtemps, nous comptions notre butin ici, sous le couvert de la nuit. Les risques étaient moins grands. La récompense moins grande aussi. Eh bien, avant d'aller la réclamer, cette récompense, il va te falloir la mériter.
Et à ce que je vois, il faudra être ingénieux. On peut toujours essayer par la grande porte. C'est ça. N'oublie pas de me dire si ça a marché. Où est-ce que tu vas ? Je viens d'avoir une bonne idée. Si ce n'est pas ton cas, tu devrais peut-être suivre la mienne. Attends ! Eh bien... Est-ce que c'est le bon bail ? Infiltration du palais d'hiver. Ceux qu'on ne voit pas ont besoin d'un coffre soit volé, je sais. Donc, c'est comment entrer dans le palais, mais il existe peut-être d'autres moyens de se faufiler dans notre lieu étroitement gardé. Cherchez des moyens de vous infiltrer dans ce palais. Et il y a des logos. On va suivre la personne. Elle, c'est ce logo. Et de toute façon, je vois pas d'autres logos. Suivons-la, j'ai envie de te dire. Attends, elle est... Tu t'es décidé à suivre mes traces, Bastien. Je sais que tu as horreur d'être seul. Je vois des gardes, là-bas. No way. Moi aussi, je les vois. À la grenade et au citron vert. Faisons pas les ouf. Elle fait trop la ouf. Full découvert. C'est pas très discret. Fais attention. Mais c'est toi, fais attention. Moi je mets des coups de patate. Patate de fort. Va dans les plantes là. Avance ou je te laisse en arrière. Mais c'est toi qui avance pas, wesh. Non mais, ça va pas bien ou quoi? C'est une insulte. Prends garde. Oui. Y a des gardes de partout, chef. Ah oui, non mais... Frérot, fallait prendre la porte d'entrée, hein, clairement. À ce niveau-là, il n'y a plus. Il n'y a plus de secret. Moi non plus. C'est parce qu'il n'y a rien. Et j'ai peur. Tu as vu les invités? Quelles étranges tenues. Mais tais-toi donc. Tu ne fais qu'attirer les ennuis à parler comme ça. Pourquoi s'habiller comme ça? Ok. On se faufile littéralement devant tout le monde. C'est encore moi qui est devant. Parfait. Cette porte pourrait nous permettre d'entrer. Mais pas sans disposer d'une clé. Ah. Cherche dans les alentours. Cherche. Et pourquoi c'est moi, voilà? Ok. Oh. Ok. C'est quoi ça? Mais ça a disparu. Ah non, c'est juste derrière. Ce rideau, il m'a fait un peu peur. Oh là là, il y a des boums là-bas. Attends, on va monter là-haut. Hop. C'est quoi ici? Il y a plein de trucs à collecter. Merde. Vite, 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 vite. Pas envie de siffler, moi. Je vais juste me le faire, là. Chut. C'est bien mieux comme ça. Mec, il a dit chute, quoi. Non, mais j'hallucine. Mais j'hallucine. Dans la mer. Par contre, il fait des moves vachement stylés. On va pas se le cacher. Celui-là aussi il était stylé. Mec, même mon PC il m'a fait peur. Putain. J'ai vu une lumière du coin de l'œil, j'étais pas prêt.
Ok. Bah restez pas là. Avancez. Oh, ils sont trop longs. Ils sont trop lents. Ouais, je sais que tu me regardes. Moi aussi, je te regarde. On se regarde. Ok. Et il est où le passage que j'avais tout à l'heure? C'est pas ça. Avancez, avancez, avancez. Et pas de temps à perdre. Salut. Ah, c'est moi qui dois ouvrir. Merde. J'ai pas pris la clé. Non. No way. Bon. On va aller suivre. Attends, on va pas les trouver, tu sais. Ils sont où? Ok. Ah, ouais, j'ai pas pris la clé. Oh merde, il a vu le corps. Est-ce qu'on va le poutrer? Attends, pourquoi je le vois plus? Oh. Oh, il y a un coffre là. On va prendre le coffre. Vas-y, vas-y, t'as rien vu. C'est bon, t'as rien vu. Il y a pas ici. Hein. Non. Okay. Vite. Lâche, lâche, lâche. Ouais. Ok, c'est bon. Où c'est qu'il est? On va se cacher là-dedans. Tu vois. Ok, attention. Attention. Ouais, allez. Ok, c'est bon. Technique de la roulade. Technique de la roulade. Tu as trouvé une clé? Non. Ok. Technique de la caméra cachée. Le calife a l'air préoccupé. Il faut dire, avec un fils aussi turbulent. Il est jeune, c'est normal. C'est son premier séjour au palais, non? Autant le laisser se promener. Répondre à ses besoins. Cette réunion devrait être brève. Et voilà. Bien. Technique de ninja. Par ici. Le calife vous attend. Ils sont arrivés, Maolé. Dehors. Attends. Tous. Je dois les rencontrer seul. Père. Laisse-moi rester. Emmenez-le. Il a l'air lourd. On ne réussira jamais à le sortir du palais.
Dans ce cas, je me contenterai de prendre ce qu'il contient. Messieurs, bienvenue. Tout est en ordre. J'ai compris que ceci avait beaucoup de valeur pour vous. N'ayez crainte, ce sera sous bonne garde ici. L'inverse serait inacceptable. Nous mènerons notre tâche et reviendrons te voir quand nous serons prêts. Toi aussi, Calife, prépare-toi. Pourrais-je voir un instant ce qu'il contient? Si nous devons le protéger de nos vies, nous... Tu n'as rien vu de tout cela. Rien. Et tu n'en diras mot. Est-ce bien compris? Oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Voilà notre chance. Attends. Là, ils étaient cachés, là? Tu te fiches de moi. Non, mais frérot... Quelqu'un approche! Non, mais arrête, hein. Je les avais vus avant toi. Ok. Par ici. Tout est calme. Tout est calme. Moi, j'en suis pas sûr. Je n'aurais jamais imaginé venir ici. Regarde un peu ces arches. Regarde les loups, ouais. Un morceau et le vendre sans plus en or. Tu as pensé à apporter une pioche, j'espère. Je m'en souviendrai la prochaine fois qu'on entrera dans un palais. Le perso, il s'est relevé. Oh. Technique encore. Allez, Bassim. On ouvre, on vole, on file. Si possible. Bassim, vite! Ah oui, c'est... Bassim! Donne-moi ça! C'est une gifle, mon pote. Non! Non! As-tu la moindre idée de ce qu'ils vont me faire? Pitié, je suis désolé. C'est ta faute. Chacun ses problèmes. Non. Pitié. Tu n'es qu'un sale petit voleur. Rapide et efficace. Cours. Nihal, attends. Père. Attrapez ce gamin! Ok. Rapide, efficace. Je te le dis. Le calife est mort! Salam alaikum! Je coupe de l'endroit! Oh, technique de la roulade! Lenteur! Lamentable! Oh, damn, ils allaient fermer la porte! Oh, technique de la roulade! Oh! Ok. Soup. Personne ne passera ici! Eh ben mon... Là-bas, je le vois. Moi aussi je te vois. Maintenant tu ne me vois plus. Oh, j'aurais peut-être dû prendre un autre chemin. C'est pas grave. Technique de voleur, on passe par les toits. Non mais... Ok, faut que je me prends. J'ai pas fait de où, mais il faut que je me prenne. Oh! Est-ce que tu crois que ça fonctionne? Oh, attends, il y a une boule de poing. On va aller se cacher là-bas. Ninja! On va attendre que ça se calme un peu. Faut que j'aille où? Ok, à 140 mètres par là-bas. 140 mètres ouest. Ça m'a l'air bon. Elle a... Qu'est-ce qui me l'a pris? Ou pas. Je dois la retrouver.
Elle a dû rentrer. T'as rien vu, t'as rien vu. Je te dis que t'as rien vu. Ok. Remonte, 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 vite. Ah, c'est haut ça. Putain, je m'attendais pas que ce soit aussi haut. Incroyable. C'est où qu'il faut que j'aille? Oh, attends. On va essayer une technique de... Non. Oh bah si. Nihal. Nihal. Okay. Petit dodo. Désolé, je fais du bruit avec le micro. Calme-toi, Vassim. Nihal ? Non, pas vraiment. Te sens-tu bien ? Tant mieux. Parce que tu vas devoir m'expliquer ceci. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dis-moi ce qui s'est passé. Le silence n'est pas ton allié à cet instant. Ce n'est pas ça. Je suis incapable d'expliquer ce que j'ai vu. Cet objet, il m'a fait quelque chose. J'étais dans un autre lieu. J'avais froid. J'étais terrifié. Avant que je puisse réagir, le calife était en train de m'étrangler. Ça a été un accident. Je n'ai pas voulu... Je voulais simplement vous aider. Il faut qu'on t'emmène loin d'ici. J'ai un bateau sur les quais, à l'ouest. Quoi ? Non, je ne peux pas partir. Il faut que je trouve Nihal. Réfléchis, Vassim. Les gardes du calife recherchent celui qui l'a tué. Un jeune voleur correspondant à ta description. Ils n'auront de cesse de te chercher. Et lorsqu'ils t'auront trouvé, ce n'est pas en prison qu'ils te jetteront, mais dans une tombe de fortune. Je t'offre une deuxième chance. Saisis-la. Nihal, ok. Deluige. Ils sont tous en danger. Ok. Les soldats traquent tous ceux qui me ressemblent. Je viens de remarquer que... Je vois un peu la caméra là où il faut pas. On va se mettre là. Attends, on va se mettre là. Trop bien. Je suis la barre de vie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ok, 125 mètres. Attends, il n'y avait pas un truc là-dedans, genre... Genre c'est chez moi, mais vas-y, je me vole. Médaillon de châle. Bague à la émeraude. Ouais. Toujours ça. Bien, bien, bien. 100 mètres. Ok. Grimpons. Oui, oui, oui. Maintenant que je ferai peur d'aucune pitié, je m'attaque par où passer. Wow.
on va aller par là-bas. Je ne serai jamais à l'abri, sauf si je parviens à semer ses gardes. Donc, du coup, il y a quelques dégâts. Oh, j'ai fait une sacrée glissade. J'ai kiffé. J'ai envie de la refaire. Comment j'ai fait? Oh, quel dommage. Ah, problématique tout ça. Basim, Basim, ne regarde pas. Ah, c'était le genou. Le genou qui nous, qui a essayé de nous voler. Rien. Si le calife était encore en vie, tout cela ne serait jamais arrivé. Mesure bien la portée de tes accusations, Basim. C'était ton idée d'aller voler ce coffre au palais. Tout ça pour impressionner tes amis. C'est moi qui nous ai sauvés. Mais tu les as tués. Toi, seul. Là-bas, avec moi. Je prie de ne jamais revoir ton visage. Vite. C'est pas bien. Faut pas dire des trucs comme ça, Zé. Ils sont tous morts. Alors que c'est moi qu'on voulait jeter. Je ne peux pas rester là. Non. Hop là. Jamais tu mourras. Ok, 100 mètres. Pourquoi tu peux... Salut les potos. Oh, il m'a eu. Oh, il m'a eu. Attends, j'ai oublié de réactiver. Ou alors je l'ai réactivé. Hop là. Et j'ai désactivé. C'est fort possible. Des fois, ça m'arrive. Le gros misclic. Ok. Gros disparition. Est-ce que c'est lui? Non. Je crois bien. Je n'ai rien fait. Il fera l'affaire. Debout. Debout. On dirait que elle appelait son balai dans la tête. Debout. Dans la tête. Assez aberrant, je veux dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne réfléchis pas. Il saute dans le vide. Non mais oui. Ça fonctionne. Ubisoft Original. Ok, The Best Gamer, bah merci d'être patient, en tout cas ça fait plaisir de ouf, bon courage pour tes devoirs, et à demain effectivement. Très bonne fin de journée à toi. De l'animus ici. Ok, bon, et je crois qu'on va arrêter le live aussi parce que ça me paraît bien pour commencer. De toute façon, on n'oublie pas, ça finit sur YouTube. Pourquoi je suis à poil? Il n'y avait pas un message juste avant, genre quelques mois plus tard, je sais pas quoi. Ok. Bah je crois qu'on va s'arrêter là. Un très beau cliffhanger, il est où le ce que j'ai vu? Un nouveau jour, une nouvelle épreuve. Je ferais mieux de rentrer. Eh bien, est-ce qu'on peut sauvegarder? Je n'en ai aucune idée. Oui.
Ok. Bon. Bon. Hop là. Oh, ça a crépité dans mes oreilles. C'était assez désagréable. Bon. J'espère que vous avez kiffé quand même.